Salut à tous, c'est Mato, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Lio4230. Si vous savez pas qui c'est, je vous invite à aller voir la dernière vidéo. Genre, le mec il fait de la pub, il est chiant là. Bon, si vous demandez déjà pourquoi j'ai pu. Oh, ben, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il me donne? Oh, il m'a donné 2 clés-votes, merci Lio. Déjà, je vais manger un petit peu parce que là j'ai un peu faim. Vous pouvez voir, c'est le fucking squelette que je viens de tuer qui m'a mis super mal. Plein de choses entre cet épisode et le dernier épisode. Déjà, premier truc, c'est full diamant, vous pouvez voir, très magnifique. Il m'a fait un petit don de Lio 4230, pense à Rek. Du coup, je dirais ouais, elle regardait pas là. Ah ouais, là, il m'a mis bien 10 diamants. Du coup, avec un bloc, ça fait 19 diamants. Ça fait 12 de gold. Et pour remplacer mon vieux stuff dégueulasse, là, il m'a donné du nouveau stuff. Purée, il m'a mis bien là. Bon bah du coup, je vais poser mon vieux stuff dans un des coffres. Bon, après, par contre, il va falloir que je range les coffres. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Par contre, je me pose une question. Ici, j'ai une pioche FI3 Fortune 1. Bon, ça, c'est une bonne pioche. Mais là, j'ai une pioche C-Touch. Laquelle vais-je utiliser? Bon, pour l'instant, j'utilise les deux, mais je vais vous mettre un petit sondage. C'est à vous de décider. Bon, comme j'ai pas pu avancer pendant cette semaine, du coup, c'est Lio qui l'a fait. Vous pouvez voir qu'il a vraiment bossé comme un... Il a vraiment bien fait. Il a mis des coffres à bordel. Il a mis des coffres à bois. Bon, ça, c'est pas vraiment du bois, mais faut pas le dire. Et ça, c'est vraiment du bon truc aussi. Bon, du coup, je vais mettre mes diamants dedans. Enfin, non, mon gold dedans. Mes diamants, je vais m'en servir pour pouvoir me faire du stuff. Bon, avec ça, j'ai réussi à me faire un diamond chestplate, un diamond legging. Bon, c'est mieux que rien. Et du coup, je vais descendre et je vais aller utiliser ça. Ça a l'air pour Lio, disez-le dans les coms. Ah, non, je vois pas de quoi tu parles, mais non, ce pardon n'a jamais existé, non. Il n'a jamais existé, ok. Bon, sérieusement, je pense que je vais faire un petit salaire, mais après, je vais vous laisser décider ce que vous voulez comme salaire. Même, je vais vous mettre un petit sondage. Je pense que son salaire, ça va être ou 10 de fer ou un stack de charbon. C'est à vous de décider. Ou 100$ par épisode. C'est une idée qu'il vient de me donner, une très bonne idée même. Bon, vous allez me dire, mais Mato, à quoi servent ces clés? Ben, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer à quoi servent ces clés, tout simplement. En fait, c'est les clés qu'on obtient quand on vote pour le serveur. Et du coup, je vais pouvoir offrir des coffres de vote. Mon premier coffre de vote, j'espère que ça va être bien. Parce que bon, on peut obtenir des trucs très bien. Oh, regardez ça, du bois d'acajou. Enfin, du bois de... Logiquement, c'est du bois d'acajou. Mais c'est dégueu. Franchement, c'est nul. Ça vaut rien. Bon, j'espère que je vais avoir quelque chose de mieux. 10 minerais de quoi. Bon, du coup, comme déjà c'est Lio qui me les a donnés, donc du coup je vais tout lui donner, surtout que c'est dégueulasse ce que j'ai eu, donc du coup, tiens, vas-y, c'est pour toi mon petit, régale-toi. Voilà. J'aime bien. Bon, déjà, premier truc qui s'est passé lors de entre ces deux épisodes, vous pouvez voir que Lio a énormément avancé sur les fermes. Franchement, je dis GG parce que moi perso j'aurais pas fait tant. Et du coup, je me suis dit que ce serait le bon moyen pour attaquer 2-3 quêtes de type. Enfin, des quêtes agriculture quoi. Ce genre que j'ai commencé de commencer la quête patate et qu'en haut je crois qu'il y a des pommes de terre. Donc du coup, j'espère que ça va. Que va y en avoir assez. Bon, je viens de terminer la quête, c'était super facile, 50€. En plus, là, je vais vérifier, mais j'ai vraiment presque plus du tout d'argent gagné. Ouais, il me reste que seulement 9$ avant d'avoir atteint les 6000$. 9$, ça ne vaut rien du tout. Et aussi, j'aurais autre chose à vous montrer. La dernière, vous inquiétez pas. Ah, 60$ a été reçu de Lio 4230. De lui, ça m'étonne pas qu'il ait fait ça. Hein. Bon, ben merci à toi. Hein. Ah, ça fait plaisir d'avoir plus de 6000$. Surtout que dans le dernier épisode, j'avais dit qu'on avait qu'à dépasser que les 1500$. Ben là, je les ai éclatés. Clairement, je les ai explosés, je les ai défoncés. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez là-dessus. Mon dernier épisode, j'avais dit que je voulais claim l'entièreté de cette montagne, du coup je vais le faire, mais là je vais vraiment pas m'embêter, hein, j'ai la flemme de m'embêter. Du coup je vais faire un parcelle 100 x 100 directement, et j'ai juste envie de voir quelle est la taille de mon claim, juste ici la frontière de mon claim, précise, ici. Et du coup j'ai trouvé l'autre partie du claim, mais en fait j'ai rien dit parce que j'ai réussi à traverser toute la montagne, du coup je pourrais faire un château assez pas mal quand même. Et du coup maintenant je peux aller dans cette direction pour voir si ça fait se former un carré comme je voulais que ça le fasse. Et du coup en fait quand j'avais dit que j'avais gratté le claim, ben en fait non, je l'ai pas parfaitement réussi à la perfection, mais c'est déjà pas mal ce que j'ai fait. Du coup je suis à 5000$, 5051$, donc c'est plutôt bien, ça va. Alors, même si je suis encore loin des 10000$ que je m'étais donné comme objectif. Mais enfin non, je suis pas si loin que ça, en vrai 5000$ je pense que je l'ai fait en une semaine. Bon, avant de faire le chemin pour monter au-dessus de la montagne, parce que c'est là que va commencer le château, parce que j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Je pense que je vais essayer d'avancer un petit peu pour gagner un petit peu d'argent, c'est même que je gagne au moins 500€ avant de commencer, je pense que ça va être rapide. A few moments later. Bon, après énormément de travail, enfin terminé
de faire cet escalier, bah, je vais nous faire rollback en plus. Et du coup, bah, je trouve que c'est vachement stylé. Bon, ça déjà, c'est une aire d'observation aérienne d'assez haut. Je pense que là, j'ai une vision à 8 chunks à peu près. Bon, il y a Lieu là-bas qui est en train de bosser sur le pont, qui va rejoindre de là au château, parce qu'il va voir le château. Et, oh non, non, je veux pas décéder, je veux pas décéder! Oh, c'est pas grave, Mato, c'est bon, tu meurs, c'est pas grave, tu essayes de plus reproduire, et c'est bon, tu vas progresser. Bon, on sait que t'es un noob, mais bon. Oui, ben, comment dire? C'est là, précisément, c'est la 8e fois que je décède sur ce chantier. Bon, ben, du coup, quand même, après ce truc assez triste, on peut clairement dire ça comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'assez loin. Tada! Alors, personnellement, je suis très fière de moi. Franchement, ça a pris un temps de fou, mais franchement, c'est pas du gâchis, hein. Les poteaux, ils sont vraiment bien alignés et tout, ils sont assez stylés. Ici, c'est l'escalier qui passe. Franchement, je trouve ça super stylé. Bon, bah, du coup, après cette glorieuse réussite sur ce pont, du coup, je pense que je vais terminer ma vidéo sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée et tout, à plus.